Bonjour. Bonjour. C'est combien? C'est 2 euros le ticket. Alors on est 2. Alors ça fait 4 euros. Today we've travelled by shuttle bus to the tiny hamlet of Castorino, which is high up in the mountains at an altitude of over 1,500 metres. We're going to enjoy a picnic lunch here, and then we're going to hike to the mine of Valeria, which is having its official inauguration today. Finally, we'll head back down to the Lac Dimesh before catching the bus back home. You're nice, aren't you? Yes, you're nice. Nice ones. And you. Hello. 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 You want to be on YouTube? You want to go on YouTube? We have some quiche, and this is called tourte de patate. It's a ton speciality, and a couple of boiled eggs, hard-boiled eggs, and a couple of apples. And look at that view.
più wild. Sembrano meglio. Le Anna più wild hanno il tasto buono, eh. Sono paragonabili alle Karu 4. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Ça va? Bonjour. T'as sorti ton vieux père? T'es gentil. Quelle corvée. Oh, c'est chaud. Hein. C'est, ouais, c'est pour ça qu'on est monté par là. Ouais. Tu es à l'ombre. Là, c'est dur. Hein. Le soleil. Mm. Vous allez visiter la mine? Non, moi je ne vais pas visiter parce qu'il y aura trop de monde. Ouais. J'irai la visiter plus tard. Pas le jour de l'inauguration. Ah ouais. Bonjour. On a le temps de prendre un poisson? Oui, mais on va le dire à tout le monde, d'accord, okay. Aucun problème. Je ne savais pas comment ça marche. Mais... Si vous voulez maintenant. On peut commencer? Oui. Ouais. Bonjour. Quelque chose de fraîche. De fraîche, ça c'est assez frais. Ananas, pomme, poire, abricot. La pomme, je pense. Ouais. Moi, abricot, s'il vous plaît. Non. Alors, pomme et... Abricot. Abricot. Merci beaucoup. Mais il y a du monde, hein? Oui. C'est bien? Ben oui, c'est bien. Il fait beau, il fait chaud. Et il fait même un peu trop chaud. Un peu trop chaud. Merci voilà. Beaucoup. Merci. On est dans un site merveilleux, un site où il y a des gravures qui ont 5000 ans d'âge. Donc ce site de la Vallée des Merveilles, tout le monde le connaît. Mais ici, le site de la minière, eh bien, on ne le connaissait pas assez. Et ce minerai de plomb argentifère, je sais que à peu près dans la totalité, mais on a des spécialistes. Une remarquable mutualisation de moyens entre l'Europe et l'interprétation que vous allez voir tout à l'heure et le parti didactique dans le circuit. Oui, c'est super. Ouais. People first started mining at Valeria in the Middle Ages, and then again from 1950 to 1930 for its deposits of silver-bearing lead and zinc ore. With nearly 20 kilometres of tunnels, in its time, it was one of the biggest mines in the Alps. At its peak, there used to be a church, a school, a factory, and housing for the 300 people who used to work there. The mine eventually closed in 1929 and quickly fell into disrepair. In 1960, the Neige et Merveille Association was created to buy and restore the mine. After a massive renovation project, the mine reopened to visitors this summer, and today is the official inauguration. Les bâtiments que sans doute vous connaissez avaient une fonction particulière au moment où on était les bâtiments avaient une fonction au sein du travail de la mine. Attention à la tête. C'est pas gentil. Voilà. Vous avez
moi aussi, mais je me tape la tête sans arrêt. Enfin, au départ, là, j'en fais plus l'habitude. D'expliquer cette morphologie qu'on retrouve dans d'autres mines médiévales européennes et jusqu'aux études à l'intérieur de la mine de Valoria, on avait. Non, mais c'est pas facile, non.